Rebonsoir, rebonsoir peuple de YouTube. On va continuer FF6. Il te manque Locke et le mime. C'est vrai, il me manque Gogo. Gogo, je vous rappelle qu'on a déjà croisé le mob dans lequel il y a Gogo, le gros ver de terre géant. Et c'était bien. C'est où encore Tamasa? C'est là. J'ai envie de voir si on peut croiser, si on peut voir les rêves de Shadow. Shadow est en train de récupérer dans la maison de Realm. J'ai pas Realm avec moi. J'aurais dû la prendre. Ah, il est parti. Comment on fait pour voir les rêves de Shadow? Je ne sais pas. Plus là. Ok, Shadow. Shadow il est introuvable. Bon bah, tant pis. Hein. Il peut aller se faire. Voilà quoi. Pendant la team et dormir. Ah parce qu'on l'aura du coup, il y a le temps. Allons Colisée. Où était le Colisée d'ailleurs? Je me rappelle plus. Tout en haut à droite. Tout en haut à gauche. Pas de Doomgaze, please. Merci. Zoui, moui, moui. Moi, je suis entre autres réceptionniste dans un endroit pareil. Comment j'ai honte. Ah, il faut que je vous prévienne. Si vous misez de pacotille, Monsieur Tifol vous donnera une leçon. Bienvenue au Colisée du Code du Dragon, l'endroit où se rassemblent les guerriers hardis pour obtenir des prix fabuleux. Bienvenue au Colisée du Dragon, bien. Ouais, bien, tu fais chier. Plus l'objet que vous misez est précieux, plus le prix que vous remportez en cas de victoire sera alléchant. D'accord. Hey, 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 duel au son. Tous les combattants du Colisée sont des duels automatiques. Ah bon? Je suis un soldat de l'Empire, peut-être le seul qui reste. J'ai rencontré votre ami qui portait un foulard, je lui ai dit... Parle deux fois à l'empereur. C'est un tuyau que j'ai reçu qui explique comment trouver l'endroit où l'empereur Gessal a disséminé un trésor légendaire. Heureusement, je ne sais pas ce que ça signifie. Avez-vous combattu... Attends. Alors plus de détails. Tu vois, mise à un objet. Ok. Pourquoi j'ai dormi à l'auberge, what the fuck? Alors ça marche comment? Il est content? Un des participants est un homme tout habillé de noir, il paraît qu'il cherche une arme appelée Ishigiki. Je l'ai, je vais faire fortune. J'ai dû miser son arme à Shadow. Ah, et Shadow va venir. Ok. Alors comment on fait? J'ai pas envie de me foirer, alors je vais check comment il faut faire. Parce que je me rappelle moi le... Ce truc là, j'utilise jamais. Vous voyez qu'un imposteur se fait passer pour moi ces derniers temps, ne vous faites pas berner. J'utilise pas comment ça s'appelle. Je me rappelle le Colisée, j'ai jamais vraiment fait. Tu m'as eu Shadow une fois, je me rappelle même plus. Ouh. Ok, on met des objets, on peut obtenir un objet meilleur de la même famille. S'il n'y a pas d'amélioration à l'objet, on obtient un élixir. La mécanique est simple, tu combats sur un preset qu'on. Avec. Ok. Ok, bah on va mettre l'Ichigeki du coup. Bien sûr. Ça, Ichigeki. Un poignard ninja qui élimine parfois à 6 mains en un seul coup. Ok. Bah je mets Edgar, il a trop de force Edgar.
Ah. Désolé, Shadow. Gomen Asai. Que fais-tu ici? La seule chose que je suis toujours capable de faire, me battre. Pour ne pas avoir ne pas venir avec nous. D'accord. C'est le moment de mettre mes capacités à l'épreuve. Bah voilà. Simple et efficace. Ok, bah dans ce cas on va faire... on va faire le succès hein, en accélération bien sûr. Et on va mettre... on va miser de la merde. Truc que j'ai en double. Je sais pas moi, vas-y Pyrolame. Toujours avec Edgar. Mais il met des auto-attaques Edgar, what the fuck. Voilà. Ah j'ai gagné Onyxia ou je sais pas quoi. Ok ben Cryolame du coup. On peut même pas décider de ce qu'on met comme... Merde. Non je le tue. Et le Mabros c'est l'aide de la merde. Mais je mets des armes quand même, ça va. Mais là je vais mourir. Mais j'ai perdu, what the fuck. Edgar t'abuses mec. J'ai looté Organix mec. C'est une dinguerie ça non. C'est 99 de force et j'ai perdu. Hyper unique. Mais c'était bien. Pourquoi ils me mettent Typhoon? C'était bien, non? C'est-à-dire qu'il va m'éjecter. Mais c'est pas de la merde. Épée runique. Épée runique qui boit des âmes. Je dois mettre quoi, du coup? Je sais pas quoi mettre moi mec. Ah non c'est de la merde épée runique. Mais comment je sais qu'est-ce qui est fort? Sceptre guérisseur 200 d'attaque. Un tomberry. Il met sceptre magus. Ah ouais. Mais j'ai perdu. Oh mais il fait chier Edgar. Ouais. Mais putain. Sauvegarder, j'en ai marre de perdre mes objets là. Je vais juste mettre une potion X et il me donne un élixir. Vas-y. Je comprends pas quoi faire. Un éther? Mais c'est quoi un bon objet pour eux? Genre... genre mangeuse d'homme, c'est ça? Mais même comme ça, il... C'est le pire jeu. Je comprends pas, je comprends... Je comprends pas ce que je dois mettre.
Ah mais attends, je garde l'objet quand je perds contre Typhoon ou pas? On va continuer à essayer. On se retrouve quand c'est gagné la VOD. Des bisous. Ah, purée. Quel mode de merde ce colisée. Vraiment, vraiment chiant. J'ai utilisé 7 heures et une petite arnaque pour qu'il one shot des pampas. Parce que c'était trop chiant. Il n'y a aucune arme qui fonctionne, quoi. Genre 3 objets que les mecs veulent bien accepter, quoi. En gros, ils veulent te voler, quoi. Colisée des voleurs. Bref, on continue. Il croit que c'est fini. Bah quoi, le colisée, c'est fini. Commencez pas. Oui. Toi, déséquipe tout le monde. Let's go. Prends les commandes. Alors maintenant, c'est quoi le problème? C'est la cave du phénix, visiblement. Et là, Doomgaze, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah là là. Allons-y. J'adore combattre Siegfried à un moment. Bah le mec voulait pas, donc tant pis pour lui. Est-ce qu'il faut qu'on descende à 3 ou pas? Je pense pas, hein. Donc ce connard de Locke est en train d'essayer de former les deux équipes. Ah merde. Écoute. Moi je fais ça. Moi je fais ça, je pense que c'est bon. Combattre à l'aide de deux équipes différentes. Pour passer de l'une à l'autre, appuie sur la touche L. D'accord. Ça marche pas. Touche L2 plutôt. Ok. Ok, va falloir setup les teams du coup. Optimum Organics. Alors Organics c'est de la merde. Une épée fragile qui effectue des coups critiques en soin d'EPM. Bon, c'est de la merde quoi. Pertuisan. J'ai qu'un œuf de croissance, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une équipe qui va XP+. Peut-être mettre l'œuf de croissance sur l'autre équipe, non? Juste parce que ces cons sont en retard. Cap Zephyr. On va mettre Cap Zephyr, allez. Ouais. C'est bon, le son est vachement fort pour les menus, ça m'énerve. Il y a pas mal d'avoir de la musique. Attendez. Voilà. Ça c'est la musique du tout début. Ah non, c'est la musique du monde des espères. Woman, can we be my girlfriend? Femme, viens. Optimum, boucle le truc, ouais. Ouais. 16 heures dans la team, allez optimum. Écoute, qu'est-ce qu'on va te mettre? Je sais pas, mec. Prends ça et... Te fais pas chier, quoi. Cape blanche. Mettre des capes blanches à tout le monde. Ok. Et en chimère, on va attendre de voir l'autre équipe. Ok. L'autre équipe.
Realm ici, Celeste là, Cyan là, Shadow. Tout comme ça. Tout le monde derrière sauf Cyan. C'est bon. Équipement optimum, moi ça met, ça c'est bien. Bracelet de force. Bracelet de bague de héros. Shadow, optimum. Bracelet de force. Double bracelet de force, allez. Céleste, t'as déjà du stuff. Optimum, il est bon. Optimum, alors. Boucle magique. Où sont les objets, bordel de merde? Boucle magique. Boucle magique. Voilà. Bon, tout le monde a plus ou moins du stuff. Mettons maintenant des chimères. Je suis venu ici pour avoir de la musique. La musique a déjà disparu. Hein. Elle a quoi comme magie, la petite? Elle a rien. Du coup, on commence par Martim. Martimez. Shadow. Bismarck. Non. Shadow, Ifrit. Et sur Cyan. Et Cyan, Bismarck. Realm, du coup Martin, Vashma et Strago, on s'en fout. On a un truc. Et ici, on a un truc. Terra continue à level up. Valimar, je sais pas quoi. Ok, ça me paraît bien. On aurait pu essayer le Yeti qui a l'air d'être fort, mais bon. Ah, ou alors j'aurais pu prendre Mog et mettre le Moogle Charm, comme ça il n'y a pas de combat aléatoire aussi. Mais on va essayer de combattre quand même et faire en sorte que les mecs ils prouvent qu'ils servent à quelque chose. S'ils servent vraiment à rien, dans ce cas je l'aurais regretté, mais bon. Je pense que c'est plus sympa d'essayer quand même. S'il te plaît pas, ça. Bon. Allez. On va essayer de mettre l'équipe 1 à gauche. C'est où le plus dur? Allez, un finit ce donjon. Nice. Et en plus j'ai pris des dégâts, c'est ça? Et du coup le deuxième il est bloqué. T'auras le temps de faire tout? Bah je sais pas, on va voir. Merde, je vais pas faire ça. Non. Là, j'ai pas vu si elle a fait des vrais dégâts ou pas. En tout cas, on a pris cher de ouf. J'ai pas racheté des objets. J'ai utilisé toutes mes queues de phénix pour faire le truc. On est un peu dans la merde. Croissant accéléré. Très bien. Je vais essayer de voir au moins les mobs qu'il y a ici. De Velt, non. Ok, voyons voir. On va énerver les mobs. Hein. Mais c'est pas ce que je voulais faire, bordel. Spirale de l'âme. À
quoi sert ces chemins? Est-ce qu'ils vont se transformer? Non. Ok. Ok, je suis de retour au début. J'avais fait comment? C'est quel coffre qui m'a arnaqué? C'est déjà plus... Tu vas aller leur appuyer, faut que je passe par en bas... Oh, les visages surprises. Ils peuvent pas... Ok, je vois. Vous avez l'avantage, on va avancer en speedrun. Quelqu'un a maxé. Oh, j'ai eu un succès combat légendaire. Il a maxé Zona Keeper, mais je vais le garder. Qui d'autre donne 2 2 de magie. Ah, mais c'est Valimar truc. Ouais, c'est pas grave, je vais le garder. Et du coup, il y avait une autre route. Je suis perdu. Il y avait moyen d'arnaquer par là. Avec le pont et passer à droite. Ah bah oui. J'avais pas compris. Les 1000 épines, hein, ils vont juste nous tuer quoi en fait. Ok, bon la deuxième équipe ça va être marrant. Hein. Je crois que si Céleste tue pas tout le monde, on l'a perdu en fait. Ça commence. Déjà. Elle a pas de magie encore. Oh, ça commence. Et Saiyan, c'est un... Ok, on l'a déjà perdu en fait. Excellence qui fait des dégâts et en fait... ok, génial. Allez, let's go. Elle vient de soigner les ennemis, ça ne sert à rien. Ok, moi je vais prendre Moogle, je pense. Hein. Il ne sert à rien. Y'a que Céleste qui peut peut-être faire quelque chose pour cette équipe perdue. Bien joué Céleste. Bon, c'est des merdes. Vu que vous êtes des merdes, vous ne méritez pas. On va venir avec une autre équipe. Oh, Moogle charmé. Prenez les commandes. Merde. Du coup on va faire notre équipe habituelle et l'autre elle sera Moogle charmée donc on n'aura pas de combat. Voilà. Moogle et je prends son pote. Je prends Realm pour le plaisir. Et Shadow. Voilà comme ça. Tous les autres puent la merde. Donc équipement, eux ils sont tous déjà stuffés. Si je suis dans votre équipe, équipement, tour tiré. Voilà, c'est bon. Équipé. Moogle Charm. Évite les combats aléatoires, parfait. Si on est obligé à un moment d'avoir un combat aléatoire, j'aurais dû faire le rêve de Sam pour avoir tous les Bushido. Mais c'est pas, on s'en fiche, ça aurait rien changé. Parce qu'il y a 4 persos quand même dans une équipe. Hein. On fera les rêves plus tard. Quand le truc me le dira. Parce que y a trop tellement de choses à faire de toute façon. Ouais, donc c'est ici que je m'étais fait avoir, je sais plus. Je sais même plus où était le premier piège au tout début. Ah, ils font chier eux.
C'est toujours les mobs. Les mobs. Les mobs fantômes avec tout leur. Toutes leurs altérations d'état. Non, Mog, il a aucun combat. Ouais, c'est ça. Un peu, on était venu ici. Ouais. Franchement, dès que j'en vois un. Willow Benit. Spirale de l'âme, permet de se sacrifier pour restaurer l'épée de tous les alliés. Waouh! C'est un peu de l'abus, bro. Séisme. Je sais pas qui a appris, mais bien joué. Je crois que c'est Edgar qui a le truc. Ok, je peux passer. Un coffre ou pas par là? Un coffre et un bouton. Ok, et par là. Coffre est vide, let's go. C'est normal que le coffre soit vide? En fait, vu que j'ai pas de combat, le coffre est vide. Ça me rend fou. Oh merde, il y a un autre coffre. J'ai raté. Effectivement, bien vu le jeu, pierre de renvoi. Alors, non. Ah, je vois où je dois aller. Attendez. Ah, on se tire à la suite par là, très bien. I see where I need to go. Waouh, les mobs de fou. Là, j'ai toujours pas les spells X, ça me bouffe. Ça me bouffe. On va faire des glaces. Pour le moment, je pense que c'est le mieux. Ah, bien joué le healing. On va faire les attaques de vent. C'est très rare que les ennemis absorbent le vent. Oh, elle a appris. C'était la meilleure. Va la Mirmandar. Maintenant, tu vas apprendre. Ah, ça dépend de si elle a fini son Lakshmi, elle. Elle a pas fini son Lakshmi, mais je vais quand même la passer sur Valimar. Valimar, ça vient d'où encore? Valimar, ça me dit un truc. Je le pique à Sabine pour gagner toujours de la magie. Sabine, un peu de force, ça te ferait du bien. Valimar. Non, Valimar, ça vient de Legend of Heroes, Gundam Rin. Ouais, non, c'est ça. Gundam, j'ai pensé tout de suite. Ouais, c'est vrai, Valimar, c'est truc. Oui, oui. Effectivement. Bien vu la famille. Ça faisait quoi de pas... C'est quoi ce cercle rouge, what the fuck? Heureusement qu'on a Mog, hein. Coffre est vide. Ouais. Lui où sortir? Comment ça? Ta-na-na-na-na-na.
peut aller où? Peut-être qu'il faut juste que je marche sur les pics pour le coffre sans respecter, tu vois. Ouais, je pense au point où j'en suis, juste marcher sur les pics. Ouais, vas-y. Coffre est vide, nice. Oui, vous sortir, bah non. Ok, ils vont venir nous appuyer sur le truc. J'ai un coffre, non, j'ai un point de sauvegarde déjà. J'ai plus de queue de phénix avec toutes ces bêtises, hein. J'espère que j'ai tous les mobs, hein. Parce que je vous avoue que je fais pas trop gaffe, je me dis que je les aurai tous. Si je les ai pas tous, il va falloir encore que je fasse attention. On peut revenir ici, j'espère. Terra qui est morte. Terra qui est un zombie, je crois. Terra, faut arrêter d'être un zombie. Ça marche pas comme ça la vie. Littéralement plus de popo plus, hein. Ça rend combien les popo X? Ah, ça rend tous les PV. Franchement, les potions plus, ça aurait dû être des potions à 500 PV, hein. C'est peu, 250. Allez, une seconde. Merde. On voit pas sur la map la route. Ok, je vois. Merde. Ils sont trop bien les jeux vidéo. Pa 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 pa. Le dodo. C'est étrange pour le moment. Ah, ok, je comprends. Maintenant qu'elle a des spells qui coûtent cher, peut-être lui mettre le truc qui fait que les spells coûtent moins cher. Ouais. Parce que là, elle fait tellement de dégâts, je suis sûr qu'elle peut juste tuer tout le monde avec
magie X et juste lui mettre le truc qui fait que ça coûte moins cher. J'ai retiré les œufs de croissance. Putain, j'ai la haine. Il a plus de stuff. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais lui mettre Organix comme un connard. Elle s'est cassée. Ouais, du coup, c'était quoi l'objet? C'était le bonnet d'or, je sais pas quoi. Broche d'or. Ouais. Alors, moi, si je descends, je peux aller en bas. On va y aller d'abord. Ah non, je peux pas du tout. Je peux aller en haut. Ouais, on va d'abord faire ça du coup. Permet de faire quoi? Ah putain, ceux qui doivent combattre le dragon? J'aurais pas dû mettre mon équipe de ce côté-là. Jamais il le tue, non? Jamais le tue, non? À moins que Shadow, avec ses scrolls, il fasse assez de dégâts. Jamais il le tue, mec. J'ai quand même envie d'essayer. Ils vont tellement mourir. Je me demande si les boucles d'oreilles ça marche sur les scrolls de Shadow. Bon, on va s'en rendre compte tout de suite. Il y a beaucoup trop de PV, le dragon rouge. De chimère à golem, ok. À tester, hein. Oh mon dieu. Y'a moyen. Y'a moyen juste avec Sweeton. Y'a moyen juste avec Sweeton en fait. 100% Sweeton ça le tue. Faudrait genre 7 Sweeton je pense. Peut-être que 6 avec le Yeti qui tape. Ok c'est mort. Ah non ça va. En fait si Ren pouvait soigner ce serait bien mais bon elle peut pas. Qu'est-ce qui se passe avec Shadow? Pourquoi il fait pas Sweeton, what the fuck? J'arrive pas à croire que c'est eux qui vont gagner l'XP quoi. Oh merde. Pas tant mieux. Nice. Ren qui apprend plein de sorts et Shadow aussi. Murakumo. Oh, il reste 5 dragons. Enfin, vous voyez. Faut avoir confiance de temps en temps. Par contre, vraiment que tu puisses pas soigner Ren mais faire quoi que ce soit. Là, t'as des sorts de dégâts. Maintenant, faut que t'aies des sorts de soins. Va te mettre Séraphin et... on va espérer que ça passe. Ok, donc là on est à 8 sur 9. Bah génial. Ça sert de faire ça. Je sais pas. Ah peut-être pendant une seconde j'ai cru que j'aurais pas de combat, mais c'est vrai que...
On va faire tout le tour. Ruban. Alors comment on fait? Ouais, je vois. Je vois pas, si je vois. Non mais qu'est-ce que je raconte? Non, il est déjà pris l'autre. Bah oui. On est à 9 sur 9 parce que je viens de me dire mais on était à 8. Nice. Là, je voulais qu'ils regardent tous les deux vers le bas, mais bon. Merde. Tu sais, on arrive à la fin, on se rejoint. T'as l'équipe d'Edgar qui est essoufflée, plus de mana, ça galère, ils ont utilisé des objets. L'équipe de Mok qui arrive en mode promenade de santé. Ils ont jamais rien, aucun problème, ils ont juste clear un dragon rouge en deux frames. Et c'est nous l'équipe principale, quoi. Je vais demander si c'est vraiment nous, quoi. J'adore l'animation de des spells X, la glace trop stylée. Locke? Ah! Et tout ça est sauf, mais what the fuck? Regardez, je l'ai enfin trouvé. C'est le trésor fabuleux qui permet de rappeler l'âme des défunts. Ah! Une magilite? Oui, la légende raconte que le phénix s'est transformé en pierre il y a très longtemps. Elle disait vrai, mais la pierre est fissurée, je ne sais pas si elle pourra opérer des miracles. Locke, tu voulais la trouver pour Rachel, n'est-ce pas? Oh, il a encore possédé, le pauvre. Rachel, je n'ai pas su la protéger. Je n'ai pas pu tenir la promesse que j'ai. Je n'ai pas pu tenir ma promesse et j'ai perdu la seule personne qui m'était chère. La seule? Si je ne peux pas lui apporter ce trésor, je ne suis qu'un menteur. Alors tu vas aller à Kolingen. Au village de Kolingen. Si seulement il n'y avait pas autant de fissures sur la magilite. Il ne pourra pas ramener d'âme ainsi. C'est dommage. La magilite s'est brisée. Ok. Quoi? Mais comment? Locke, tu m'as tant manqué. C'est Rachel? Le phénix a utilisé ses dernières forces pour me permettre de te parler. Je dois bientôt te quitter. Mais avant, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. J'étais si heureuse avec toi. Juste avant de mourir, j'ai retrouvé la mémoire. Grâce à toi, j'ai pu m'endormir l'arme en paix. Locke, je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. Je dois partir maintenant. Merci pour toute la joie que tu m'as donnée. Libère une fois pour toutes ton cœur de ses chaînes, je t'en conjure. Offre-le à celle qui l'a conquis. Aime-la comme tu m'as aimé. Phoenix René, octroie tes pouvoirs à Locke. C'est vrai qu'elle avait perdu la mémoire, c'était violent.
Ne t'en fais pas. Rachel a apaisé mon cœur. À partir de maintenant, tout ira mieux. Alors qu'attendons-nous? On n'a pas une seconde à perdre. Mouiz, mouiz! Let's go! Mouiz. Qu'y a-t-il? J'ai récupéré quelques petits trucs sur la route. Genre une canne à pêche, un sac de pique-nique. J'ai obtenu une potion X, une queue de phénix, un éther X, un elixir, un bouclier igné, une dague de vaillant. Ce sont tous les trésors de la grotte du phénix. Et maintenant, allons vaincre Kafka et sauver le monde. C'est boui. Il nous reste un seul perso à aller trouver. Et c'est bien entendu, ce bon vieux Bogo. Allons-y. Oh, la team qui dégoûte. On a obtenu Phoenix. Je me demande s'il est stylé de ouf ou pas. Oh, Vivi Max Soin X Brasix Auréole. Oh, il est incroyable. Et il donne des stats ou pas? Non. Être sur lock. Non, quoique. Bon, on va voir. On va essayer de le mettre sur un perso qu'on aime bien. Alors, est-ce que Locke mérite de rejoindre l'équipe? Vous savez, moi j'aime bien ma team là. Hein. Et oui, comme vous voyez, il y a un seul perso qui nous manque. Ce bon vieux Mime. On va tout de suite équiper cette Magilite. Sur Céleste qui doit bientôt maxer. Ah, Céleste qui a besoin des spells. J'allais dire sur Edgar. Edgar qui apprend Jean Mungang là. Si, il est bientôt sur la fin. On peut déjà mettre Phoenix sur Sabine. Et en fait, ils vont tous passer sur Phoenix. J'ai envie qu'ils aient tous au moins ces spells là. Et en plus, Phoenix il apprend Brasier X beaucoup plus rapidement que Valimar. Donc ça donnera un spell X à tout le monde. Donc faisons ça. Alors je me rappelle comment ça se passe, mais c'est un peu compliqué. Faut se faire avaler par une bête quoi. Faut aller où? Merde. On va quand même faire une petite sauvegarde parce que je sens qu'on va se prendre Doomgaze là. C'est ici. On va essayer de tomber sur le mob. Parfait. Alors je sais plus comment ça se passe. Faut se laisser. Faut se laisser avaler, mais faudrait quand même la tuer pour le bestiaire, je crois. Donc on va quand même essayer de tuer. Merde. Il prend Brasi ou pas? Nice. Et là en fait il était à l'intérieur et il est mort. Ok, au moins pour le bestiaire c'est fait. Là on va essayer d'en refaire un. Vous avez l'avantage. Défense. Alors là c'est qu'une question de patience. On a une chance sur deux de faire gravité, une chance sur deux de faire aspiration. Et là, elle est en train de nous faire chier. Voilà, s'il te plaît, fais ton travail. Merci. Ventre du glouton. Alors, s'il y a des loot à l'intérieur du ventre du glouton. Ah, il y a 9 coffres quand même. Hein.
La musique spéciale. Je crois que là on sort. Non. Il y a un baissière dans son ventre aussi, non? Vu qu'elle avale tout ce qui existe. Ouais, il y a des soldats MDR. Merde, je suis en train de faire défendre. Ah oui, ça c'est quand on tombe. Ah, faut moins que je tombe une fois du coup. En gros, je crois que si j'arrive au même endroit que les soldats verts, ils me font tomber. Ah, ils ont zombifié Terra, j'ai envie de tout péter. Ah, l'icône de zombie qui dégoûte. Hein. Ah, ils ont capa l'autre. Oh là. J'ai 80 cerises vertes. Ça vous montre combien de temps j'ai farmé le. Effoncher. Allez. C'est pas grave parce que de toute façon je veux tomber. Merde. L'armure Genji? Fais chier! Avec l'accélération, c'est pas facile. Oui, 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 oui. Ils nous font chier. Juste voir pour les baissières s'il y a des baissières rares. Bah non, c'est rare, hein, t'as fait 30 minutes. Oh, 30 minutes pour le trouver. Il y a 6 mobs à avoir, on va voir si on y arrive. Hein. On va essayer de dépasser ce bridge déjà. Ah merde, faut. Oh non, 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 non. Oh, font chier quoi. Pourquoi ils font des auto-attaques, what the fuck? Ah, parce qu'ils étaient en. Ils étaient en kappa et tout, donc ça a biaisé leur menu. On va essayer de trouver le mob. Ah bah voilà, moi je l'ai trouvé tout de suite. Comme quoi c'est la chance, c'est le mob en bas là. Qui apparemment pose des problèmes. J'en ai marre. J'en ai marre des kappas et j'en ai marre des. Des zombies là. Edgar qui soigne. J'aurais utilisé Edgar pour soigner d'ailleurs. Alors j'ai eu tous les mobs, je suis même pas sûr. Je vais en profiter vite fait pour check. En vrai, je suis perdu. Je sais même plus qui j'ai combattu ou pas. Alors qu'il y a que 6 mobs. Hein. Mon cerveau il a déjà perdu le compte. C'était où? C'était tout en haut à droite, je crois. Il y a toujours ce mob que je sais pas d'où il vient. Le Velt. Il y a tellement de monde dans le Velt.
C'est bon, dans le level tu peux tout croiser en fait. Merde. Le Velt, mais où est le ventre du glouton? Voilà. Il y a deux mobs que j'ai pas, donc j'ai pas un samouraï et une danseuse bleue. Ok. Ok. Pas le samouraï du début, un samouraï avec moins d'épée quoi. Un ninja. Un mec qui a que deux bras quoi. L'autre il en avait quatre je crois. Ah oui, c'est ici où on se fait défoncer la gueule, je crois. On peut pas sauvegarder ici. Ouais. Parce que... Ok, on va essayer de les faire à l'extérieur, du coup. Il faut savoir où sont les safe spots, en fait. Pour pas se faire écraser par le mur. Déteste ces mobs. Ah non, même pas. Donc comme ça, j'ai deux persos zombies. Je sais même pas ce qui s'est passé hein. Gratuitement. Donc ça va arriver à nouveau, j'imagine. Gratuitement, tout le monde meurt, quoi. Les ennemis. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis, hein, visiblement. Oh, bénite. Ah parfait, exactement le combat qu'il me fallait. La 4 tonnes dure hein. Allez, salut. Ça, lui. Pourquoi j'ai envie d'utiliser une tente. J'ai envie d'utiliser une tente. J'adore. Oh, elle est rose. Elle est pas verte cette fois. Est-ce que c'est elle qui l'a utilisée? Dépend du perso qui utilise la couleur de la tente. Ah ouais, on va voir. Ok. Ok. Il y a ici. Il reste un coffre, il est où? Et vers la fin. Je
fuck? Comment t'es censé? Voilà. Les coffres trampoline. Logique. Moi j'ai pas pensé plus tôt. Un homme étrange, vêtu, ou peut-être une femme. Il semblerait même impossible de deviner s'il s'agit ou non d'un être humain. Gogo. Gogo gadget au point. Monsieur Gogo, le maître de l'imitation. Je n'ai pas eu de visiteur depuis si longtemps. J'ai été oisif pendant tant d'années. Je devrais peut-être vous imiter. Dites-moi, que faites-vous ici? Eh bien, on sauve le monde. Je vois, vous voulez sauver le monde. Dans ce cas, j'irai sauver le monde moi aussi. J'imiterai tout ce que vous ferez. Et voilà. Merde. Bon, on fera les rêves et tout le reste la prochaine fois. On a bien avancé. Sur FF6. On a bien avancé. Je pense qu'on va du coup s'arrêter là. Des bisous. La VOD, des bisous. Le stream. Je vais manger, je vais me sustenter, je vais faire des choses. Et on reviendra peut-être pour du WoW. Après tout ça, car WoW, c'est quand même sympatoche. Sympatoche. Sympatoche.